Peuple de Dieu, chers membres de Parole de vie, chrétiens du monde entier, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Comme nous tous, vous avez pris connaissance du verdict de culpabilité à l'encontre de notre pasteur. Notre père spirituel, le révérend Paul Mukendi. Depuis le début de cette histoire, le révérend Paul Mukendi clame sans relâche son innocence. Sachez que nous continuons de le soutenir, car nous avons tous été témoins de l'injustice qu'il a subie. Plusieurs d'entre vous ont assisté, comme nous, au procès, et nous sommes jusqu'à maintenant plongés dans un grand étonnement face au verdict qu'ont donné les jurés. Durant ce procès, nous avons pu noter plusieurs invraisemblances de la part de la plaignante. Plusieurs. Par exemple, vous avez entendu la présumée victime relater sa rencontre avec le révérend en 2001. Alors que nous savons tous qu'il est arrivé au Québec en 2003. La présumée victime prétend avoir été seule et agressée à plusieurs reprises dans une chambre, pourtant partagée avec une autre personne, fait qu'a reconnu sa propre mère. La présumée victime prétend que le révérend a habité 3 ans chez ses parents, alors que la preuve a démontré clairement que c'était faux. Alors, les différentes déclarations. Lors des différentes déclarations, la présumée victime a eu 3 versions différentes de l'arme supposément utilisée pour l'agresser. Tout au long de son témoignage, elle était souvent frappée d'amnésie sur des faits pourtant cruciaux. Impossible à oublier s'il avait été vrai. Que dirons-nous des nombreuses pauses durant son témoignage pour inventer, pour corriger et bonifier les nombreuses versions différentes de son témoignage? Ses émotions, toujours calculées, sans compter ses rires incessants dès qu'elle se savait à l'abri du regard des jurés. Elle prétend avoir été offerte en offrande, une pratique aucunement chrétienne. Aucunement chrétienne. Notre Église évangélique n'est pas engagée dans de tels actes aussi répugnant, dégradant et ignoble. Dans quelle Bible sa mère aurait-elle pu puiser une pratique aussi occulte? Si tel avait été le cas, pourquoi sa mère, pourtant présente dans la salle au tribunal, n'est-elle pas venue éclairer le jury sur ce point? La plaignante prétend qu'on l'a empêchée de parler aux non-chrétiens, alors que notre but ultime, en tant que chrétien, est d'aller vers eux pour leur présenter Jésus-Christ. La présumée victime a reçu un généreux soutien financier de la part du couple pastoral, et la preuve a bien été démontrée que sa plainte a été déposée peu après que les versements aient cessé pour qu'elle prenne sa vie en main. Ce n'est certainement pas
un hasard. Plusieurs autres lacunes entre les différentes déclarations de la présumée victime ont été mises en lumière lors des contre-interrogatoires. Et nous avons constaté que la plaignante a inventé des choses qui n'existent pas et ignoré des choses majeures qui, elles, existent. Les nombreuses contradictions révélées font que nous croyons en l'innocence. Donc, je disais, font que nous croyons en l'innocence de notre berger, le révérend Paul Mukendi, et nous ne cesserons pas de le proclamer. On ne saurait passer sous silence la campagne de désinformation, voire même de salissage de certains médias qui sont allés jusqu'à déclarer qu'il y aurait eu d'autres victimes qui n'ont pas été entendues. En aucun cas, les médias n'ont mentionné que leurs témoignages ont été refusés par le juge car réputés irrecevables et non pertinents. Ils ont aussi oublié de mentionner que ce sont des amis de longue date de la plaignante qui ont su comploter pour s'entendre sur certains faits existants. Oui, nous adhérons à la théorie du complot. Il va sans dire que le révérend Mukendi fera appel de son verdict. Nous sommes de tout cœur avec le révérend Mukendi, car nous croyons en son innocence. Rien, je dis bien rien, ne pourra détruire l'œuvre de Dieu. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous bien debout, unis, forts dans l'adversité. Car nous savons qu'il se prêche ici, à parole de vie, un Dieu vivant qui défendra son nom. Pour terminer, la Bible dit dans le psaume 27, au verset 3, si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Nous sommes remplis de cette pleine confiance, car nous avons pris connaissance des faits. La vérité triomphe toujours sur le mensonge. La lumière triomphera toujours sur les ténèbres. L'avenir saura nous le démontrer. Chose certaine, personne ne pourra museler, étouffer ou taire la voix du révérend Paul Mukendi qui proclamera sans compromis Jésus-Christ jusqu'à son dernier souffle. Amen. Je vous bénis.
Salut.